Bonjour YouTube et bonjour le stream. On se retrouve pour un tout nouveau let's play, une toute nouvelle série de vidéos, de VOD sur ma chaîne YouTube et ainsi du coup des sessions, moult sessions en stream. Nous sommes donc sur Grid, petit jeu de bagnole qui m'a l'air ma foi fort sympathique que j'attendais avec impatience. Comment dire, je ne connais pas du tout la licence, je ne connais pas la franchise. Je sais que Codemasters qui est derrière le jeu fait beaucoup de jeux de bagnole. Je sais que la franchise avait été pas mal appréciée, que c'est pas trop de la sim. C'est entre Simu et Arcade, celui-là et se veut hyper accessible. Ça tombe bien, je voulais pas me prendre la tête, mais j'attendais quand même d'un jeu de bagnole d'avoir du circuit, donc des circuits connus, mais aussi des circuits au schnapps, peu importe. Mais voilà, c'est vrai que précédemment en let's play, entre guillemets, conduite, on a eu The Crew 2, qui était ma foi fort sympathique aussi, mais un petit peu trop au schnapps à mon goût. J'en attendais un petit peu plus d'un jeu de bagnole. Celui-là promet pas mal de choses sympathiques. On crée une nouvelle sauvegarde, c'est la première fois que je lance le jeu. Et le contrat est... Voilà, j'ai tout lu. Merci à tous. Et là, je viens de vendre mon cul à Codemaster. Incroyable. Pour ajuster la luminosité, et qu'est-ce qu'on doit voir, qu'est-ce qu'on doit pas voir, en fait. Quoi? Bon, écoutez, ouais, je vais mettre à 65 pour qu'on voit un petit peu le grid de gauche. Peut-être que pour vous, ça rendra pas pareil, je sais pas. Cinématique. Alors par contre, je sais pas si je vais me faire striker avec les musiques et compagnie. Espérons que non. Moi, je trouve que le son est vraiment pas fort. Je vais tellement me faire défoncer par les droits d'auteur. Je veux chanter. Les voitures, c'est trop bien. La course du cul. Naninou, naninou, nanina. Bon, c'est au cas où, hein. J'essaie de recouvrir. La voiture, c'est trop bien. Jackie et Michel. Ah non, c'est pas lui. C'est Jackie tout court. Trop fort. Jackie et Michel Tuning. On passe de Jackie Tuning à Jackie et Michel. Oula oula. Comment faire mieux que cette saison? Sur la route vers les Grid World Series, on peut s'attendre à encore plus d'action. Et tout ça, ça se passe ici au WSR. Ah, je me tape un tuto direct. Stop. Alors déjà, je veux voir les commandes. Vous êtes mignons les mecs, mais je veux voir les commandes. Et pendant ce temps-là, mon voisin met la musique à fond. Frein à main, rond, mais alors... Ah oui, l'embrayage. Donc en fait, c'est une notion d'embrayage pour... Alors, croix et carré, ça va pas le faire. Moi je dis on met le frein à main sur croix et on met la vitesse supérieure sur rond. En fait je crois que mon réglage de rapport de vitesse c'est du Forza. Après on peut faire R1 et L1. Phare L1. Ouais enfin on peut faire R1 L1 les rapports. Mais est-ce que je vais être niqué si je mets pas d'embrayage? Non, je pense que le jeu considère que si je mets pas d'embrayage, c'est pas grave. Si je n'associe pas touche d'embrayage, je peux quand même passer des vitesses, y a pas de souci. Et je pense qu'on va faire R1 et L1 pour les passages de vitesse. Ouh. Je sais pas si je fais rond carré. Et du coup, je mets croix le frein à main. Bon, on va faire ça plutôt. Vitesse supérieure. Mais non.
Ah merde, d'accord. Il faut que je mette une touche. Ok. Voilà. Par contre, il n'y a pas touche d'embrayage. Flashback, triangle. Ah oui, il y a une notion de flashback un peu à la Need for Speed. Je sais pas quoi, parce que c'est les Need for Speed que j'ai pas fait. Je crois. Rapport 1, rapport 2. Mais qu'est-ce que c'est que ces bords? Ah oui, non, mais d'accord, ok, oui. Ok, donc ça, c'est quand on a un volant d'américain avec une boîte de vitesse, quoi. Marche arrière. Ah oui, la marche arrière, dis donc. Regardez en haut, regardez en bas, ouais, super. Regardez vers l'arrière. Et donc, changer la caméra, c'est quoi? C'est R1? D'accord. Périphérique. J'applique. Super. Alors oui, ça, ouais, ok. La sensible, bon, pour l'instant, ça, on va pas y toucher. Mais comment je fais pour passer en manuel? C'est direct en manuel? Ça y est, ça commence mal. Bah écoutez, comment vous dire, je sais pas trop quoi. Je sais pas trop, il n'y a pas de touche qui me dit vas-y, t'es en. Pourquoi ça m'affiche là? Rapport d'entrée, direction, accélération, au secours. Jeu. C'est peut-être dans le jeu, hein. Bras du pilote et volant, oui. Champ de vision, caméra interne. Ah, alors ça c'est pas mal. Peut-être qu'on le gonflera. Non, on va rester comme ça. Difficulté intermédiaire. Niveau des dégâts. Alors oui, il y a une notion de dégâts dans ce jeu. Alors là, c'est terrible. Uniquement visuel ou complet? Ah ouais, non, mais alors les dégâts, attention, ça va être un bordel. Bon, pour l'instant, on va mettre uniquement visuel, pour histoire de pas se prendre la tête. Mais on verra. D'accord, bon, on va mettre intermédiaire, on va laisser. Flashback, d'accord, il y a cette notion de flashback, semi-automatique, manuel séquentiel. Manuel en H, manuel. Non, mais ça, c'est. On s'en fout de ça. Qu'est-ce qu'ils entendent par manuel séquentiel et manuel en H? En fait, manuel séquentiel, j'ai l'impression que c'est du manuel, mais en tout droit. Alors que le manuel en H, c'est les boîtes de vitesse à l'ancienne, quoi. Mais ça, on s'en fout. On met juste manuel et basta. Bon, indifférent, je la changerai moi-même. Trajectoire idéale uniquement dans les virages. Uniquement dans les virages. Bon, et tout ça, après, ça, il faudra le personnaliser parce que je compte pas être ultra assisté. Et apparemment, le jeu est quand même assez accessible et donc avec pas mal d'aide. Donc, peut-être qu'on enlèvera un tout petit peu, on réduira peut-être. Peut-être qu'on n'enlèvera pas, mais qu'on réduira simplement. Oui, et puis tout ça, on va laisser, hein. Ah, alors les notifications, les messages, peut-être pas. Rétroviseur central, mais non. Proximité, oui. Bon, bah écoutez, on va faire comme ça, hein. Et audio. Bon, écoutez, je laisse en TV, hein. Vous vous démerdez, hein. Régulier, volume de la musique. Ah ouais, non, mais la musique. Volume chat vocal, non. Ah ouais, mais la musique. Bon, on verra bien. Et si je me fais striker, rip. Ben écoutez, c'est parti. Ok, c'est bon, c'est en manuel. Putain, bordel de merde. Attendez, parce qu'il faut que je change la caméra. Au secours! Ah, très bien. Je pense qu'on a. Merde.
Mais merde! Non mais attendez, parce que du coup je confonds, je me mets L1 et R1. Je me suis mis L1 et R1 dans la tête pour les... Ah c'est terrible. Bon attendez. Oh putain. Je me suis mis R1 et L1 dans la tête pour les rapports, je sais pas pourquoi. Bon, pour l'instant il n'y a pas de musique, hein. Pour l'instant, le feeling est bon. Malgré un départ un peu compliqué. Dernier tour, pousse pour remonter. Quoi, dernier tour, comment ça? Comment ça? Attends, je suis quatrième là? Ok, et la notion, en fait, le flashback, je pense qu'on s'en servira jamais. À moins qu'on soit vraiment sur une course de 2 heures et qu'au dernier moment on se chie. Je me laisse cette sécurité là. Oh là là, il y a des confettis quand on arrive. Trop fort. Bon, ma voiture est défoncée. Ma voiture est défoncée. Oh, le pire début. De toute façon, les débuts de let's play comme ça, c'est toujours compliqué. Hein. Faire des réglages et tout, au secours. Avec cette course terminée, on se retrouve à Indianapolis. Je voudrais pas rater ça, Kristen. Il ne faut pas manquer ça. Les Grid World Series sont à portée de main. Je pense qu'on va avoir une sacrée lutte. Trop fort. C'est trop bien la voiture. Les jeux de voiture. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de faire un bon jeu de bagnole, de circuit et tout. Alors, utilisons l'inspiration jusqu'au bout ici, le dépassement ne devrait plus tarder. Attends, vous allez vraiment me faire faire de la course comme ça là? Ils ont perdu le contrôle, l'autre équipe cherche à en profiter. Et ils rentrent dedans. Oh là 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 là. Ah ouais, alors oui, alors en fait. Oh non, mais vraiment? 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 Au secours! Incroyable. Alors, faut savoir que ce jeu a vraiment des inspirations de Burnout. Non mais ferme ta gueule quand je parle. Il y a vraiment des une petite aura de. Ok, il y a plein d'opportunités pour utiliser l'aspiration. Mets-toi proche derrière et gagne en vitesse. Oh là là, ouais, non mais ouais, d'accord, ok. 2 tours restants. Il y a un peu une aura des anciens Burnout. Ah ouais, à savoir que je suis pas très très fan de ce genre de course. Mais bon, on va faire avec. C'est n'importe quoi ce que je viens de faire. Au secours. Non mais ça, j'ai beaucoup de mal. Oh là là, je vais tellement pas y arriver. Quelle misère! Bon, peut-être qu'on utilisera les flashbacks hein, sur ces courses-là. Ennemi juré. Oh, j'ai un ennemi. J'ai un ennemi. C'est mon ennemi. Putain, mais ouais, mais du coup, il me rentre dedans, ces enculés. Ma vie est nulle. En fait, faut pas être gourmand. Oh là là, ouais, non mais... Au secours. Attention, flashback. Non. Oh, mais j'ai niqué mon flashback. On peut recommencer? Je recommence. Oui. Ah mais ça, ça va être compliqué, hein. Non, parce que c'est une savonnette la bagnole. Quelle misère. Ça aurait pu mal tourner. Allez, profite-en. Alors ce qui est ouf, ouais, voilà, c'est que ça fait vachement penser au Burnout. Il y a un système de Nemesis. Mets-toi juste derrière la voiture devant toi et utilise l'aspiration. La vitesse supplémentaire t'aidera à dépasser.
Il y a un système de Nemesis et en plus de ça, l'IA peut se foutre sur la gueule. Hein. Donc ça, c'est cool. C'est pas juste nous qui sommes focus et l'IA après et sage se côtoie gentiment. Non, non. C'est vraiment, il y a des accidents et tout qui peuvent arriver. Enfin, du moins, c'est ce que le jeu promet. J'attends de voir ça. Oh là là, quelle misère. Voilà, ça se passe mieux. Ça se passe mieux. Là, heureusement qu'on peut recommencer. Oh! Oh! Bon, le flashback pour ces courses-là, voilà. Ok. On peut regarder le rétro, hein. On peut la jouer RP. Hein. Ou alors on peut la jouer. Merde, comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Le mec dans Fast and Furious là qui est mort. Alors regardez sur le côté. Pour impressionner Eva Mendes. Ah, je sais plus comment il s'appelle, j'ai un trou de mémoire. Au secours. En fait, ces courses-là, autant c'est marrant quand ouais, y a plein de monde et tout, mais c'est le bordel. Et oh là là. Et en plus de ça, bon, on est toujours sur la même vitesse et voilà quoi. Allez. Ah oui, je me suis quand même pris un cachou. Le pare-choc a pris quoi. Incroyable. Et tout se joue à Brands Hatch, Kristen. Ne laisse pas la météo te duper, Alex. Les nuages sont peut-être gris, mais la course va être haute en couleur. Surtout si on prend en compte la complexité d'une route recouverte d'eau. Gagner dans ces conditions et avec cette pression démontrera un talent digne des Grid World Series. Bon, sans plus attendre, cette finale est sur le point de commencer. Tenez bien vos parapluies, c'est jour de course. Oh, je pète une golf. Une golf. C'est une golf. Ah, c'est la Ford. Ok. Ah, peut-être c'est Subaru. C'est quoi que je pilote là? Bon, on ne saura pas. Hein. D'accord, ok, c'est gratos. Tu commences, t'es dans la merde. Alors ce circuit je connais. Ce circuit je connais. Voilà, pardon. Le rapport. Faut oublier. Ah oui, c'est rapport pour quoi. Bon, ce circuit je connais. Hein. Normalement ça devrait aller. Oh putain, les rapports courts. Ah ouais, non mais par contre la pire intro du monde quoi. Ils te font passer d'un kart à un deltaplane, à un avion, au secours. Par contre, on aurait mis l'option pour afficher les dégâts, ça se serait passé comment au niveau... Non, parce que là, on s'est quand même pris une sacrée... Ouais, non, par contre, pire intro, à nous faire passer d'une bagnole à l'autre, c'est un peu déstabilisant, quoi. Vous imaginez, dans Gran Turismo? Faites votre premier permis à la con avec une Toyota à 60 chevaux et d'un coup on met dans une Formule 1. Je peux te donner des infos sur la deuxième voiture ou la voiture rivale si besoin. Si tu veux que je fasse passer des roquettes tactiques à notre deuxième voiture, utilise la radio. Comment ça des roquettes tactiques? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Compris. Je lui demande de pousser. Ah, des roquettes tactiques. Des roquettes tactiques. Je comprenais pas, je t'avais what? Des roquettes? Qu'est-ce que c'est que ce jeu du schnapps?
Ah ouais, non, clairement, si là il me disait ouais, il y a des roquettes, je peux exploser le ton rival si tu veux, je revends le jeu. Je pense que je le ramène en mode c'est quoi ces conneries, j'ai pas demandé à jouer à World of Tanks. Oh là 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 là, misère. Ah ouais, non, mais c'est la boîte courte, ça. Oh, bah, c'est vraiment, c'est déstabilisant. L'intro déstabilisante, quoi. Ouh. Il y avait un pare-choc sur la route. C'était peut-être le mien. Ouh là 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 là. Mauvais rapport. Un peu aux fraises les rapports. Bon, et là encore, ça va, c'est de la petite bagnole. Hein, mais s'ils nous font piloter de la Formule 1 ou de la bagnole de ouf, bon, va falloir que j'écoute le moteur quoi. Hein. Putain, par contre, je sais pas ce que j'ai, je sais pas si j'ai de l'air coincé. Putain, j'ai une douleur. Ça se trouve, je vais mourir en direct. Excellente saison, tu vas dominer au Creed World Series. T'as un sponsor aligné? Il ne te reste plus qu'à montrer ton talent maintenant. Mon sponsor, c'est Nesquik. Vous imaginez le pilote de ouf? Kristen, c'est toi l'experte. Mais de là où j'étais, j'ai trouvé que c'était une finale mémorable, d'une perte de contrôle en milieu de course à une arrivée électrisante. Cette course et le reste des WSR nous a offert de nombreux souvenirs de course. Mais quelle sera la suite? Pour ceux qui sont suffisamment talentueux pour être arrivés là et qui ont réussi à se faire une place en haut du classement, place aux Grid World Series. Et si les WSR sont le terrain d'essai, les Grid World Series sont le champ de bataille où les meilleurs pilotes au monde s'affrontent pour décrocher le titre de pilote ultime. Je n'ai rien à ajouter, Kristen. Et tandis que la poussière retombe sur les WSR, au loin, les moteurs des Grid World Series commencent à vomir, se préparant pour les sensations fortes à venir. On vous retrouve là-bas. Trop fort. Non, mais vous imaginez le pilote de ouf, genre qui est sponsor Nesquik, Contrex et. Et Pampers. Non, parce que vous pensez bien, sur les 24 heures du Mans, les mecs ils passent plus de 10 heures dans leur bagnole. Bon, il faut des couches quoi. Bon, très bien, alors c'est bon, on a fait l'intro, au secours l'intro. Alors bon, j'irai pas jusqu'à dire que... Alors le feeling était bon, mais par contre intro au schnapps quoi, hein. Passer de véhicule en bagnole, enfin de véhicule à... en véhicule sans vraiment temporiser, c'est compliqué quoi. C'est bizarre. Bon, pour l'instant j'ai pas touché les aides, on a fait suffisamment de settings de toute façon je pense pour cette première session. Et on va s'attaquer au mode carrière, évidemment, histoire de... Bah de goûter un petit peu à tout ça. Je crois que j'ai débloqué une bagnole avec l'édition Day One du jeu. Mais bon, on verra plus tard. Très bien. Et donc là, on a une série de d'épreuves. C'est cool. Alors ça va être les streams du schnapps, hein, mais en même temps, bon, je considère que c'est un let's play parce qu'on se fait un petit kiff et tout. Et puis ça reste du solo, ça reste une expérience quand même que je vais essayer de maintenir. Camisolé d'histoire de pas trop partir dans tous les sens comme je le fais d'habitude, mais voilà, ça restera quand même des streams et de la session du schnapps. C'est du let's play, mais il y aura pas une véritable, enfin il y aura une continuité dans tous les cas sur les épreuves qu'on fera, mais ce sera pas aussi carré qu'un let's play scénarisé comme on a pu le faire depuis très longtemps déjà maintenant. Mais bon voilà, on va commencer, on va voir un petit peu. Alors je serais peut-être pas chaud pour faire de... Enfin, on verra. Je vais commencer par ça et puis peut-être qu'après je passerai sur... J'ai combien? J'ai 100 000 balles, ok, donc faut que je m'achète une bagnole. Donc il y a un système économique. Ok, donc bon, on n'a pas vraiment beaucoup de précision. On a la Focus, la Ford Focus qui est quand même une bonne bagnole. Hein. C'est une petite bagnole assez polyvalente. La boîte est courte par contre. De toute façon, je pense que ça va être quasiment que des, ouais, ça va être que des boîtes courtes. Hein. Mais en même temps, la Subaru, putain, la nostalgie quoi. La nostalgie de V-Rally sur PlayStation 1. Je crois que c'était mon premier jeu de bagnole d'ailleurs. Putain, V-Rally quoi, sur PS1. Énorme. Et dire qu'à l'époque je prenais la Subaru alors que j'y jouerai aujourd'hui, je jouerai avec la Mitsubishi Lancer Evolution si possible.
Ouais, je me tâte pour la Subaru, hein. Bon, la Golf, c'est hors de question. Ouais, j'hésite entre la Subaru et la... Elle est plus puissante, mais elle a un peu plus de poids. Je pense pas que ce soit réellement important. Je prends la Subaru. Allez. J'achète. Petite Subaru, quoi. Comment ça, livrer? Ça me coûte de l'argent? Classique. Mais pourquoi elle est... Custom. Oh là là là. Ça y est, Jackie Tuning. C'est pas mal. C'est pas mal en vrai. Ça me coûte pas d'argent. Qu'est-ce que ça fait si je fais personnaliser? D'accord. Non, mais on reste sur un bleu Subaru. Alors, je suis pas fan du bleu, mais bon, une Subaru, ça se respecte. Donc, je dirais un petit bleu Subaru, quoi. T'es assez con, sans violet, elle claquait quand même. Un petit bleu Subaru. On met un petit skin sympa et on met un bleu Subaru. Mais ça a l'air tellement long. Et vraiment, vous voulez que je fasse ça? Je pense que vous avez envie que je joue. Ah, celle-là, c'est pas mal. Je sélectionne. Je personnalise. Un petit bleu Subaru, quoi. Le bleu Subaru est un bleu pétant, hein. Ouais, genre ça. Ça ou ça. Je dirais même ça. Ah merde, j'hésite. Ouais, plus foncé. Ok. Oh là là, petit trophée énorme. Par contre, on peut mettre de la petite douche de couleur. On peut se permettre des folies. Attendez, je vais faire un truc de ouf. Je vous jure, je vais faire un truc de ouf. Bon, par contre, je fais vite, hein. Me jugez pas, hein. En vrai, hein, t'achètes une Subaru à ta meuf, tu lui fais un petit skin comme ça, elle est heureuse, hein. Ah ouais, bah ma voiture, ça va être la plus pimpante de tous. De toutes. Et là, le rêve. Non, ça n'a aucun sens. Après, en noir, c'était pas mal aussi. Hein. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ou alors, sombre. Oh là là, voiture de ouf. Alors on reste sur du noir, hein. Ouais, on reste sur du noir, c'est bon. Non, elle est ouf comme ça. Elle est ouf. Enfin, elle est ouf. Il y a mieux, hein. Mais bon, j'essaie de faire ça vite, quoi. Je sélectionne. Ok, il y a trop d'informations. Qu'est-ce qui se passe? C'est le chargement, ok, donc il me donne les infos sur le circuit, les participants, tout ça, tout ça. Donc le système de Nemesis et tout, putain, ça va être ouf. Alors après, je sais pas si l'expérience optimale sur ce jeu-là, elle se fait en first person ou en... Bonjour à tous, on vous a bien entendu faire du bruit ici. Est-ce que vous pouvez en faire un peu plus pour Kristen? Super! Et après tous ces encouragements, Kristen, que peux-tu nous dire sur cet endroit? What? Merci Alex, tout le plaisir est pour moi. Eh bien, c'est mon style de circuit. Classique, à configuration multiple, tout offrant une conduite bien réglée. Merci Kristen, nous serons bientôt de retour pour le début de la course. Et quelle course? Eh ben, qualification rapide, comment ça? Non, non, continuez. Ah, mais y'a des qualifs? Vraiment? Mais en fait, je crois que je vais crever. Surtout, je suis en train de faire un pneu motorax. Mais pourquoi y'a un... Ah, mais j'ai un pote! Ah oui, la boîte est très courte. Paul Walker, voilà, ça me revient. Paul Walker qui pilote une Impreza. Petite Subaru Impreza.
Par contre, un truc moi qui me... Oula, ça monte. Là. J'ai même pas fait gaffe sur quel circuit on était. Ça me dit quelque chose déjà. Hein. Ce circuit me parle. D'accord, donc la petite icône avec le casque vert, c'est pote. Bon, par contre, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Ça urge. Super combo dépassement. Oh, il y a un système de points au secours. Oh non, au secours! Bon, hein. Pour le bien de ce let's play. Non! Connard. Ouais. Les pénalités, je sais. Ouais, en first person, ça va être vraiment compliqué d'anticiper les chocs des. Parce que vraiment, les bagnoles partent très vite dès qu'on se fait rentrer dedans. Ah oui, mais du coup. Gagne des places au deuxième tour. Ah oui, et mon tour du coup n'est pas valide. Le premier que j'ai fait. Oh, quel bizarre. T'as mis lui aussi, le Subaru. Il va falloir que je me remette dedans. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait un petit jeu de bagnole sérieux quoi. Et j'ai l'impression que ce jeu de bagnole n'est pas sérieux. Donc ça va être compliqué de... Ils sont tellement loin. Alors attention. Ah mais elle est trop courte la boîte. J'ai plus l'habitude en fait. J'ai plus l'habitude. Surtout qu'en automatique on pourrait vraiment prendre notre pied en mode faire des dérapages et tout. C'est bon ou il a le cul complètement enfoncé? Ah non mais il a le coffre ouvert. Il a le coffre ouvert. Il s'en est pris plein de fion. Oh là là, incroyable. Oh, j'ai fait nimp. Je teste des trucs hein, je teste la voiture. Ah c'est où? Je suis hypé à mort. Les jeux de bagnole. C'est ouf. Ah vraiment c'est un truc quand j'étais gamin ça, les jeux de bagnole, c'est dingue. Bon je faisais pas que ça, j'ai toujours joué un petit peu à tout, comme bah, ce que je vous propose sur sur les streams et sur YouTube. Mais ah non mais what, il y a un coup de... Non. Ah d'accord, ok, donc on a une déduction de... Ok, donc il y a ce qu'on gagne et il y a la déduction de, des dégâts. Ok, ouh. Compliqué. Pénalité de temps. Comment ça? 2 secondes. Ah non mais c'est bon. Ah du coup je suis 3ème. Ah parce que je me suis pris 2 secondes dans les dents. Non mais c'est bon, je continue. J'assume. Et pourtant c'est pas de ma faute hein. On m'a rentré dedans. Je me suis pris une pénalité à cause de quelqu'un. Mais j'assume. Mais attends, mais c'était l'épreuve ou c'était les qualifs? Non, parce que si c'était l'épreuve, on recommence. Oui, continuez, oui. Tout à fait. Ah non, c'était les qualifs. Alors oui, je me pose une question. C'est un truc, c'est chronique sur tous les jeux de bagnole, tous les jeux de course. Pourquoi, en tant que joueur... Et c'est la dernière manche où tout
où va se jouer Kristen. Dans les jeux de course, pourquoi on doit commencer systématiquement dernier? Bon là, visiblement, je me suis qualifié, donc je suis 3ème et donc je démarre 3ème. C'est incroyable. Plus longtemps maintenant. Donc là, c'est moi. Ultime course, mais pourquoi je m'appelle Nick Mécouille? Non? Ah non, c'est mon pote qui est... Mais pourquoi mon pote, il démarre? Et voilà, et je démarre dernier. Alors que je me suis qualifié 3ème. Mais attendez. Pourquoi on est... Mais... Attends, mais c'est les... C'est l'épreuve d'avant que j'ai chié? Ah non, les... Si on fait les qualifs, ça détermine notre positionnement. Let's go. Et donc si je fais pas les qualifs, au schnapp, je suis forcément dernier. Pourquoi pas? Non, par contre, on va falloir le laisser passer. Non. Non. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, je suis un professionnel. C'est faux. Ah mais d'accord, mais c'est la version courte du circuit. D'accord. Donc je suis pas dans la merde quoi. Il y a un tour d'effectuer à cette position. Il faut gagner des places. Allez là. Faut que j'attaque sur les virages, mais pas que je me fasse pousser comme... Putain, mais c'est un truc de ouf. Putain, le scénario se répète quoi. Je vais pas arriver à passer premier. Et dernier tour, il faut gagner du terrain. Ah ouais, j'en suis conscient. Attends, le mec devant moi s'appelle Zelda? Comment? Non, Zlata. C'est Zeldo. Zeldo des pays de l'Est. Non, mais jamais je passe premier là. Oh là 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 là! Quel compétiteur en mousse! Oh là là, 6ème, quelle honte! Bon, en même temps, je me suis pris une sacrée trace au début, j'ai pas fait le retour en arrière. Ah, mais en fait, le flashback est super important. Si on n'utilise pas le flashback, on est. On est vite niqué quoi. Parce que les courses sont vraiment pas longues. Ok, moi c'est pas grave. Je continue. D'accord, donc c'était en deux manches. Ok, donc il y avait une course sur un circuit et une course sur l'autre. Au pire. De toute façon. Je pars du principe que s'il y a des achievements, tout ça, faut être premier pour avoir des médailles or et compagnie. Au pire, on recommencera. Hein. C'est pas un souci. Hein. Là, pour l'instant, on se fait la main sur le jeu et puis on verra plus tard. Le tout, c'est de pas se prendre le chou, donc pas enlever toutes les assists et pas mettre la difficulté de ouf. Donc si vous recherchez de l'excellence, vous êtes peut-être pas au bon endroit. Et donc. Je ne suis pas le champion. Ah si, je suis 3ème. Par contre, joueur 1, c'est un peu ridicule comme nom, non? Ce serait bien de pouvoir personnaliser. Et donc, j'ai le bronze. D'accord, et ben, il faudra refaire. Tout simplement. Il n'y a pas moyen de... Voilà, profil. Joueur 1, modifier le profil. Prénom, joueur, nom. Voilà, on va faire comme ça. Numéro de pilote. Alors, je choisis le 4. Bannière. Oui. Ah oui, d'accord, ok. Bon, on met la France. Parce qu'on est... on est corpo avec notre pays. Est-ce qu'il y a la France au moins? La plaque.
Ouais, non, mais faut déconner. Alors, attendez, parce que j'ai des origines. Je suis quelqu'un avec moult origines. Donc, je veux bien mettre l'étendard français pour dire oui, je suis de chez vous. Mais par contre, je peux personnaliser et être un peu cohérent avec. Avec. Mes racines, mes origines. Déjà, je pourrais mettre l'Irlande. Oui, j'ai du sang irlandais, mais j'ai du sang italien aussi. C'est fou ça. Alors non, je n'ai pas de sang américain, mais on pourrait le croire. D'accord, ok. Ah oui, le bouclier de Captain America, quoi, trop fort. Bon, pire, on met l'Irlande. Hein. Distinction. D'accord, ok, donc on a des... d'accord. Alors c'est moche, hein. Mais au moins, voilà. Garage, objectif, classement, écurie, au secours, écurie. Quoi? Ah, on peut acheter un sbire avec nous. Mais comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tableau des pilotes. Loyauté. Ah oui, lui n'a vraiment pas beaucoup de loyauté. Ah ouais, mais il y a des élèves. En fait, je veux jouer un jeu de course normal et on a des mécaniques qui sont au schnapps. On a les retours en arrière. On a les commandes pour que nos potes fassent un focus ou quoi. Et il y a un système de salaire. Ok. Au secours. Putain, je suis frustré. Est-ce qu'on testerait pas une autre bagnole? Histoire de rigoler un peu. Et comme ça, la prochaine fois, on fera une vraie session. Une session où on se concentrera sur les achievements. Vas-y, on va tester notre bagnole. Je sens que ça va être rigolo. Ah oui, mais il faut acheter des voitures. Alors là, ah oui, non, les muscle cars. Comment vous dire que les muscle cars, c'est pas mon kiff? D'accord, donc il y a deux Camaro déjà. Ah, est-ce qu'il est la première? Waouh, on peut prendre Bumblebee. On fait Bumblebee. Oh, les perks, me demandez pas. Hein. Celle-là est plus légère. Petite Dodge. Putain, j'avoue que celle-là elle est sympa. Hein. Petite Mustang aussi. Hein. Putain. Pontiac. Putain, c'est vrai que c'est des bonnes bagnoles ça. Non, bah, on va faire Bumblebee. Allez, juste pour le kiff. Et au pire. Sport automobile, trop fort. Ça y est, on est reparti pour du Jackie Tuning. Vous inquiétez pas, ça va pas être long. Hein. Je sais ce que je veux. Course au merdeau. On peut avoir un aperçu quand même déjà de... Ok. Oh là là. Prestige, d'accord, donc ça je suppose que c'est avec les achievements. Bon, il me faut un truc classique avec une bande au milieu. Mais c'est la même que la Subaru ça. Ouais, genre ça. Mais on fait Bumblebee. Alors Bumblebee qui est jaune-orangé. Hein. Non, Bumblebee dans le premier Transformers, il est jaune. Il est jaune comme ça. C'est après qu'il devient jaune-orangé. Bon, vas-y, on va le faire jaune. Par contre, faut pas déconner, hein, je suis pas une gonzesse. Hein. Ah ouais, un petit peu de rouge. C'est pas mal comme ça. Hein. Ah, c'est pas mal comme ça. Hein. Allez, classe.
Sponsor désactivé. Ah, on peut faire ça? Donc là, je pisse à la gueule sur les. Je pisse à la gueule au mec qui me paye. J'avoue que Bumblebee quoi. Ouais, vas-y, c'est bon. C'est bon. J'achète. Enfin, je l'ai déjà acheté, mais voilà. C'est ma voiture. Alors là, par contre, les muscle cars. Oh là là, au secours. On va vraiment passer un très mauvais moment. Alors, avant que vous posiez la question, c'est la version CD du jeu. Nous sommes à évidemment. San Francisco. Peut-être les chargements seront un peu plus longs que la version des maths. Il y a de vrais talents ici, Alex. Et un ou deux d'entre eux nous ont déjà montré de quoi ils donc qualification rapide, réglage, voilà. Ouais, ok, vas-y, c'est bon. Merci, Kristen. Nous serons bientôt de retour pour le début de la course. Et quelle course? Attendez, je veux voir Bumblebee. Oh là là, Bumblebee. Ah non, oui, non, mais mon collègue a la même bagnole que moi. Oh là là, et le drapeau irlandais, incroyable. Ah, par contre. Ah non, non, non! Je me suis encore trompé. Je m'excuse. Ah, mais les boîtes sont courtes. Hein. Les boîtes sont très courtes. Ah non, mais c'est mon pote. Faut pas que je rentre dans le cul de mon pote. Ça se fait pas. Enfin, peut-être que certains, pour certains ça se fait, mais. Mais pas pour moi, quoi. Ah, mais je suis. Au secours. Casse-toi. C'est pas une bonne idée. Oh, il m'y jurait. Sophia Labelle. Attention à ne pas aller trop loin. Comment ça? Oh là là. Ah, mais il faut que je sois plus large. Pas trop, parce qu'elle est lourde, mais un petit peu quand même. Le problème, c'est qu'il y a les gens. Elle est très lourde. Alors c'est ouf hein, il y a les petites vibrations qui font le taf aussi dans la manette. Ouais, je jouerais volant hein, mais malheureusement j'ai ni les moyens ni l'installation. Peut-être que d'ici un an et demi ou deux, on pourra. Et dernier tour, essaie de prendre la tête. On pourra se permettre de se prendre un petit volant. Pour le jeu de bagnole. Bon, ça va, ça se passe pas trop mal. Ça va, au début, ils nous mettent pas des circuits de pute. Mais en fait, la boîte est moins courte. Enfin, vite fait. Hein. Mais le simple fait qu'elle soit un poil moins courte, ça me permet de. Voilà, au secours. J'ai toujours pas testé le frein à main, donc ça se trouve, c'est de la grosse bite en bois et je suis pas au courant. Vraiment, elle est un peu moins courte, mais c'est pas, ça joue pas grand chose. J'ai tellement failli tout foutre en l'air là. Par contre, y a pas de musique pendant les courses. Parce que c'est bien normal. Là, quand j'aurai mon setup, faudra que je vous mette du son quoi. Ok, que 750 balles de dégâts, c'est cool. C'est cool. Trop fort. Et là, premier. Et là, c'est legit. Incroyable. Je continue. Castagne. La béguère. Le feeling est bon, le feeling est très bon. Alors je pense qu'il y a des mécaniques que clairement je vais passer à côté. Genre demander aux collègues de m'aider, tout ça. Bon, peut-être si vraiment je suis en difficulté que je me mets un petit post-it dans la tête en mode vas-y dans la course, pense-y. Mais comme ça Valnia, je vais juste profiter
et passer un bon moment pour piloter quoi, et qu'on passe un bon moment aussi quoi. Vraiment le but c'est pas de se prendre le chou hein, sur cette série de vidéos là. Bon de toute façon c'est jamais vraiment le but hein, de se prendre le chou, mais là ça c'est vraiment du débridé, décomplexé. Et c'est la dernière manche où tout va se jouer, Kristen. Bumblebee quoi. Nous attendre. Une placement et l'allure générale dans la dernière épreuve, je crois. Putain, elle est stylée aussi là. Je te dirai qui c'est tout à l'heure, Alex. J'ai pas envie de lui porter la poisse en l'annonçant à tout le monde. Xavier Camaro. Longtemps maintenant avant cette ultime course, restez avec nous. Oh là, la boucle de l'enfer. Juste avant là. Ouais, non, ça va. Oh, mais Bumblebee quoi. Ah oh putain, j'ai recommencé. Garde-les intacts pour la durée de la course. Ah, donc ça veut dire qu'il faut pas que je... Oui, parce que si je pète les phares, forcément. Que je vois rien, quoi. Mais du coup, c'est compliqué. Ouais, je suis en sous-régime, et alors? Je pense que tu l'as énervé. Oui, je pense aussi. T'as imaginé, on met les dégâts. Alors là. Allez, bam! Et c'est toujours le même, hein. C'est toujours le même qui prend. Il est vraiment énervé. Non, non, mais c'est pas moi, c'est Nick Wilder. Oh putain. Non mais en plus les c'est court quoi, enfin je veux dire il n'y a que deux tours. Comment vous voulez que je me faufile gentiment à la première position sans rentrer dans quelques culs? Ça me semble fort compliqué. Oh là là, ouais, mais elle est tellement lourde. Jamais ça votre femme. J'avoue que le volant est quand même assez sensible. Hein. Enfin, y a des fois, je suis obligé de frotter légèrement le joystick pour que ça tourne. Après, ça se paramétrait, mais. Dernier tour. Vas-y à fond pour décrocher la première place. Non, je vais pas y aller à fond. Voilà ce qui se passe quand j'y vais à fond. Bon là je peux y aller à fond, très bien. Est-ce que vous pensez qu'il y a des courses de camions qu'on puisse se faire Optimus Prime? Et le frame, hein. Ouf, je l'ai à peine chatouillé, ça commence à partir, j'ai eu peur. Bref, après, le frein à main avec une bagnole comme ça, je pense pas que ce soit une très bonne idée. Ben, heureusement qu'elle est l'aide aux trajectoires hein, sur les virages. Hein. Je sais pas pourquoi, mais là je pense que les sous-sous à la fin, je vais prendre un peu tarif avec les collisions. Mais c'est cool qu'il y ait ce système là de gain d'argent. Oh là là. Heureusement, on peut pas. C'est pas comme genre dans Project Cars, on n'a pas la notion de péter le moteur ou quoi. Ça, je me rappelle la première course dans Project Cars, 3 IP, Mitsubishi Lancer Evolution. Je mets en manuel, je désactive les aides en mode vas-y, il y a des dégâts réels et tout.
Première ligne droite, je pile comme un enculé parce que j'avais pas anticipé. Et là, je vois moteur HS. Ah oui, d'accord. Ok. Projet Cars que j'ai surkiffé d'ailleurs. Pourquoi Viggo Lindgren D'accord, Viggo Lindgren, il est pas content. C'était lui que j'ai cartonné plusieurs fois. Ok. Incroyable. Et là, du coup, on est premier. On est premier alors que je sentais pas du tout la classe de véhicule. C'est fou. Trop fort. Oh là là, ouais. Et du coup, on a eu des sous en plus. Bumblebee, quoi. Mais en fait, c'est pas le drapeau français que j'ai mis. C'est pas le drapeau français que j'ai mis, c'est le drapeau. C'est pas suédois ce que j'ai mis? Attendez, j'ai un doute là. En même temps, ils nous le disent pas. Hein. Donc t'es obligé d'être un peu incollable sur tes drapeaux. Mais c'est pas français ce que j'ai mis. Enfin, on dirait, mais le bleu du drapeau français, il est quand même un peu plus prononcé. Je crois que c'est ça le drapeau français. Mais oui, c'est ça, c'est tout. C'est, non, mais n'importe quoi. Bon, c'était qu'un détail. Ne me jugez pas. Ok, bon, on va tester d'autres bagnoles. Je vais tester les bagnoles. Oh, alors ça, je pense qu'on va trop se marrer là-dessus. Oh putain, en plus, ouais, les Mini Cooper, c'est mon kiff. Alors ça, par contre, je vais peut-être moins m'amuser. D'accord, et en fait, en avançant, on débloque des nouvelles. Storm Muscle, Muscle Madness. Oh là. Pff. Bon, ça, c'est vraiment, je pense, la ligne qu'on va, où on va souffrir un peu, quoi. Au secours. Je sais pas combien il y a de véhicules dans le jeu. Bon, ça, il y a moyen qu'on kiffe. Toutes ces épreuves là. Ouais, carrément. Oh putain, ils me mettent une petite Honda S2000 là. Je crois hein, que c'était une S2000. Hein. Bon, il y a tellement de versions des S2000 aussi. D'accord, mais je crois que c'est une Aston Martin comme ça que j'ai débloqué. Avec la version Day One. D'accord. Bon, ça va. Bon, ouais, là, cette ligne-là aussi, ça va être compliqué. Oh, là, ça va être le surkiff. Oh, oui. Oh, ouais, ouais, carrément. Oh, oui. Moins ouf. Mais encore, ça va, c'est marrant. C'est marrant à piloter. C'est un peu le schnapps, mais c'est marrant. Ok, ça c'est vraiment le ok le truc vénère. Il y a tellement à faire. Allez, on fait ça. D'accord, Datsun je connais pas. Voilà. Honda S2000. Oh là là, une Honda S2000. En plus c'est tellement ouf. Ah, la Skyline. Ah oui, non mais c'est une vieille Skyline. Il m'aurait mis de 300ZX. Oh là là, mais vous me faites péter un plomb là. Ouais, non, mais je suis obligé de prendre la Honda. Je suis obligé de prendre la Honda. C'est pas humain si je la prends pas. Ah, s'il y a vraiment des bagnoles que je kiffe, ça va être les Honda de manière générale. Et les Mini Cooper, ça j'adore. Et les Mitsubishi Lancer Evolution, ça c'est vraiment trois bagnoles. Bah après il y a plein d'autres bagnoles que je kiffe hein. Enfin les Nissan, j'adore les Nissan, les 300, les 350Z, enfin c'est, je trouve qu'elles sont juste folles. Ah, et j'ai débloqué un, qu'est-ce que c'est que ça du coup? Ouais, c'est pas ouf.
Comme ça, elle est pas mal. Comme ça, elle est pas mal. Bon, après, je vais me la faire... Putain, comme ça, elle est ouf aussi. Au pire, on la laisse comme ça. Rose. Ma femme supporte pas, comment je dis... jaune, rose, forêt. Ah, elle est pas mal comme ça aussi, elle est marrante. Putain, mais ce Kekos quoi, obligé de tuner toutes ses voitures. Bon, on peut faire un truc sympa. Hein. Merde. Quel enfer. Y'a pas un... Pff, ouais. Secondaire. Qu'est-ce qui se passe avec le secondaire? D'accord, les nuages. Ok, super. Oui, c'est un concept, hein. Vous inquiétez pas, je maîtrise la situation. Ah, comme ça c'est pas mal. Ouh, comme ça c'est ouf. Comme ça c'est ouf. Et on laisse le gris devant? Ou alors on... Ouais, en fait je pense que le gris devant il est ouf. Ouais, comme ça il est ouf. Allez. Et je la sélectionne. Trop ouf, NES 2000 quoi. T'as ça, c'est les bagnoles à l'ancienne dans les vieux Gran Turismo. C'est ouf. 3 IP. En sachant qu'en plus quand j'étais gamin, je vous ai dit mon premier jeu de bagnole, c'était toujours un plaisir d'être en ta compagnie. Verali, mais je crois que c'est ça. Hein. Christen, j'avais les Motoracers, les Verali. Bon, les Verali, j'en chie un peu, j'étais quand même très très jeune. Dans la catégorie voiture de tourisme. Un petit mot sur ce qui nous attend ici, Christen. Ce que j'adore avec les circuits urbains, on va baisser le volume de leur voix, je crois. Le bruit des moteurs qui résonnent sur les parois des bâtiments. On l'entend à et mon père, je me rappelle qu'il jouait à Gran Turismo. Du coup, c'était sur PS1. Nous serons bientôt de retour pour le début de la course. Et j'ai essayé, je me rappelle, j'étais sur la première étape de permis, j'en chiais à mort et tout. C'était trop simu pour moi. Oh là là là, déjà direct. En plus il pleut, oh là là, va tellement partir en couille. Attention, dans ces conditions, ça va être humide sur toute la course. Ouais, t'inquiète. Bon déjà, voilà, psychologiquement je suis déjà un petit peu plus serein. C'est une voiture que je connais. Voilà. Il y a Nick Wheeler qui est devant, notre bro. Ah yeah, j'ai le système devant qui permet d'avoir les rapports. Désolé Nick. Mais je suis le héros de ce let's play. Hein. J'avoue que la Subaru elle tente un peu aussi. Oh là là, ouais, déjà oui, oh là là. 4 tours, ouais. En plus j'ai un petit indicateur là juste devant le volant sur les rapports, donc je suis même pas obligé de regarder mon compteur à droite. Déjà on sent que la voiture je la connais hein. Par rapport aux premières épreuves c'est ça n'a rien à voir. T'es à la moitié de la course. Ah, elle est ouf.
En plus, le sol est un peu humide, donc ça part un petit peu du cul, c'est trop cool. Bon, ça, c'était peut-être pas obligé. Voilà, je la pilote comme un bourrin. Ah, puis moi par contre je souffre d'un syndrome de je dois forcément appuyer sur la pédale pour que dernier tour, conserve ta place, pour me sentir progresser dans la course. J'ai beaucoup de mal à relâcher la pédale d'accélération juste pour me dire c'est bon, juste en décélérant ça passe. Et pourtant c'est important aussi de savoir relâcher la pédale. On peut dire que je les ai fumés. On peut dire que je les ai fumés. Comment ça 1000 balles de... J'ai autant joué sur la collision au début. J'ai tellement forcé que ça. Énorme. Allez, voiture de ouf. Voiture de ouf. Là franchement je prends mon pied. Alors là c'est cool. Et là avec le volant ce serait génial. C'est vraiment incomparable, même sur un petit jeu casu comme ça, le feeling au volant, c'est incomparable. Comment ça, j'ai débloqué des... ok, j'ai débloqué la possibilité de recruter des sbires. Très bien. Énorme. Ah merde, mais j'ai plus de batterie dans le téléphone, au secours. Et c'est la dernière manche où tout va se jouer. Sachant qu'on va y passer du temps sur ce jeu. Nous attendre. On dirait que ça va être une course animée. Ah, vous me cassez tellement les couilles. Ah, je peux même pas faire ça. On a plusieurs gagnants potentiels en piste. Qui va décrocher la victoire? J'ai hâte de voir ça. Plus longtemps maintenant avant cette ultime course, restez avec les voitures. Et forcément, hein, je démarre dernier. Je crois qu'ils ont raison. Mais je sais pas pourquoi je vais appuyer sur R1 pour passer mes rapports. Ah, Dylan Jenkins. Si tu te fais viser maintenant. Mais Dylan Jenkins, on l'avait pas déjà aggro la course d'avant? Ouais, non, j'avoue, faudrait que je la joue moins bourrin. Mais bon, en même temps, c'est le jeu qui veut ça aussi. Les courses sont courtes, hein. Donc si on force pas un peu au début, c'est compliqué de temporiser, quoi. Ok, je lui demande de défendre sa position. D'accord. Donc j'ai demandé à mon collègue... Requête refusée. Notre deuxième voiture n'est pas dans une bonne position pour défendre. Ok, je vais lui demander d'attaquer. Je demande des trucs au pif, on sait pas. C'est bon, attaque confirmée. D'accord, donc il a attaqué. Hein. Mon collègue a attaqué. Hein. Je suis Vin Diesel et lui c'est The Rock. Pas du tout. Super ce premier tour, tu mènes la course. Moi je fonce dans les gens en voiture, lui il fonce dans les gens avec une sulfateuse. Il tient à main nue. Avec un plâtre. Et putain, mais ce virage, deuxième fois que je chie, quoi. Je suis trop gourmand. Oh, ça fait tellement penser à un circuit... Les vieux circuits d'un Gran Turismo quand on avait les...
Ah mais faudra, quand j'aurai mon setup et tout, si j'ai le PC, faudra que je vous mette du son pendant les sessions stream. En espérant juste de pas me faire striker par YouTube. Faudra que je fasse gaffe à ce que je mets quoi. Dernier tour, maintiens ta place. En plus à ces temps-ci, je sais pas pourquoi là j'ai eu je sais pas, j'ai eu une crise là avec le générique de Kenshiro là. Voilà, là ça passe tranquille. Alors quand je dis le générique de Kenshiro, c'est en japonais hein. Pas Ken, le survivant de l'enfer. Ah non, c'est la version qui hype. La version epicness. Bon, je fais n'importe quoi hein. Mais c'est pas grave, je suis premier. Trop fou! Trop fou! Bon, et là je suis premier, c'est indéniable! C'est indéniable! Qui peut me stopper? Quoi? Mais il est bugué! Ah, mais d'accord, ok, mais mon téléphone il était pas du tout. Ok, super! Super! Oh là, mais la S2000 quoi. Ah j'ai surkiffé la S2000. Je la repiloterai. Oh mais ça en fait je pense qu'avant la fin de la session on va la refaire. Histoire de golder quoi. Non parce que là on est parti pour tout golder hein. Bon et je reste sur la constante des 100 000 balles. C'est cool. Et donc la fameuse Aston Martin. Donc là on pourrait économiser là dessus. Mais regardons ce qu'il y a. Parce que peut-être que finalement je vais péter les plombs. Alors ça si c'est une Ford Mustang je me la coupe hein. Merci. Alors comment vous dire moi les 350Z c'est une grosse histoire d'amour. Alors c'est chiant parce que du coup effectivement on est une Aston Martin gratos. Donc on pourrait économiser là dessus. Mais au pire Nick, c'est pas grave. Parce que je veux kiffer la vibe. Oh là là mais ouais mais non mais la 350Z de Seymour. Oh là par contre on l'a fait tout en noir hein, Nick. Je la fais tout en noir. On peut pas enlever tout simplement. Ah. Une 350Z en vrai je trouve que ça s'apprécie vraiment en noir. Après il y a les versions ocre. Il y a les versions ouais comme ça grise un peu bon après il y a le tuning écosse japonais genre comme ça qui est sur stylé aussi. Mais vraiment tout en noir. Elle est magnifique. Et ça, en sachant que j'avais un pote quand j'étais en formation, du coup, quand j'étais dans le nord de la France, j'avais un pote de longue date qui lui était fada des circuits et compagnie. Et enfin, lui et son père d'ailleurs. Et je pense qu'on va faire ça. Et donc, il avait commencé, je crois, sa première bagnole de ouf. C'était une MG, une petite MG, qui n'était pas une voiture hyper chère, mais qui était une bonne bagnole. Et donc, la voiture d'après, il est passé sur une 350Z. Et enfin, c'était un truc de ouf. C'était juste un truc de ouf sa bagnole. Et je crois que le père il avait une Mustang 5 litres on est monté une fois dedans. Laisse tomber quoi. Il a désactivé la sécurité pour vraiment tirer le moteur au max. Et il a juste fait une poussée. Le moteur qui, enfin le capot qui se lave à moitié et tout. Enfin tellement la bagnole elle est puissante. C'est tout de ouf. Et il y avait une Maserati aussi. Dans la Maserati j'ai pas pu monter dedans, je suis dégoûté. Parce que vraiment elle était magnifique. Et je voulais vraiment monter dedans pour voir ce que ça faisait. Ouais comme ça aussi elle est folle.
Et je crois que même la daronne, elle avait une moto, mais genre les motos de circuit qui coûtent la peau du cul. J'avais déjà parlé de ça. Alors, par contre, ouais, on avait vu un custom qui était pas mal. Alors, ça, c'est mort. C'était comme ça, hein. On pourrait inverser les couleurs. Elle est folle comme ça. Mais si on inverse les couleurs. Si on inverse tout. Ah, le noir est pas hyper prononcé. C'est bizarre. Comme ça on laisse. D'accord, donc ça c'est les bandes. Oh, elle est tellement folle. Ah ouais, on pourrait faire un. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Ah, comme ça aussi, hein. Un peu plus discret. Ou comme ça. Ça se voit, mais pas trop. Enfin, c'est vraiment très subtil, hein. Là, c'est trop bordeaux. Là, on est dans les mêmes tons que de base, donc en fait, on voit rien. Ah, c'est vraiment très subtil, hein. Alors que comme ça, c'est un peu assumé, quoi. Ouais. Folle. Folle. Ah, du coup, c'est peut-être même le. Ça qui est peut-être un poil trop. Trop prononcé. Ah, c'est vraiment très prononcé. Bon, on va laisser comme ça. Ah, elle est folle. Elle est folle. Je kiffe. 350Z, quoi. La S2000 est après la 350Z. C'est ouf. Et là, le drame. Non, alors la 350Z est un peu lourde. Et d'ailleurs, la 350Z qui est pas une voiture si chère que ça. Je crois que. Bien équipée, je crois que c'est une voiture qui est. Genre dans les 40 000. 40 000, 45 000. Christelle, en tant qu'experte du sport automobile. Oh, le volant est à droite, yes. Ah oui, japonaise, forcément. Dis-moi, à quoi peut-on s'attendre ici? C'est très gentil, Alex. Et merci à tous les spectateurs. On va revenir sur ça d'ici peu. Ça va commencer. Oh là, l'auteur. Ok, bonne chance. Non, non. Pas 350Z. En fait, la 350Z, elle coûte cher, mais au niveau de l'entretien, au niveau des assurances. C'est une voiture qui est. Qui pollue beaucoup, en fait. Je crois qu'elle est vraiment dans les pires. Elle est dans les pires classements. Niveau émission de CO2, tout ça. Ah, putain, ouais, déjà c'est un peu plus vénère. Déjà il y a un petit peu plus de moteur là. Putain, je vois rien, ça me casse les couilles. Ah bah elle est ouf. Ça fait bizarre parce qu'elle a vraiment plus de patates que les bagnoles qu'on pilotait avant. Là je suis trop j'anticipe trop mes virages. Je freine un petit peu plus tard, histoire d'optimiser. Et merde, je voulais l'éviter. En vrai, il y aurait déjà eu 4 morts hein, sur la course. Et deuxième tour, plus qu'une place pour mener la course. Allez, mais arrête de. Je fais le con. Je me demande si en difficulté supérieure, ce serait pas jouable aussi. Bon, je suis sûr que du coup, l'IA serait un peu plus vénère.
Ah ouais, déjà ça patine et tout, c'est fou. Essayez d'éviter ce trottoir, hein. Je vous le jure, je vais essayer. Voilà, je réagis un peu plus tard. Putain, qu'est-ce que je lui mets dans la gueule? Ah, je suis trop à l'intérieur. Par contre, pas de musique. Bon, c'est cool pour les droits d'auteur. Bon, ça se trouve, je vais me faire défoncer avec le générique. Mais Et pas de son, ouais. C'est bizarre. Oh, elle est tellement folle. Ah, j'ai essayé de la faire un peu partir du cul en sur-régime, mais trop d'assistance. Le problème, c'est voilà, va falloir que je trouve le juste milieu entre les voitures que je connais et les voitures que je connais pas. Genre la S2000, clairement, j'aurais très bien pu la enlever pas mal d'assistance et la faire partir un peu plus. Ça là c'est pareil. Dernier tour. Ça là est un peu plus chaude, hein. Sans assistance, ça là elle est un peu... elle est lourde. C'est Ouh là là là. Je fais de la merde. J'ai tenté un truc, ça n'a pas marché. L'intérieur est un peu vénère là. C'était très court. Ouais, qu'elles partent un tout petit peu plus pour optimiser les approches sur les lacets, les trajectoires courtes, courtes extérieures courtes. Ah, c'est le kiff, franchement, moi je prends mon pied là. Et merci beaucoup pour le follow à El Tonino. Merci beaucoup. Trop fort. Putain, j'ai saigné du nez ou quoi? Ma vie est nulle. Après le pneumothorax, l'AVC. Ouais.
Ah mais c'est tout? C'est tout? Vraiment? Bon alors, on va faire un truc. On va refaire cette épreuve là. Ouais, on va refaire ça. Je vais essayer de, voilà, de perfer pour faire premier. Vu que maintenant ça y est, on a à peu près les mécaniques, on va moins bourder au niveau des caméras, rapports, tout ça. Et on va s'arrêter après ça. Oh, la petite Subaru. Attends, mais franchement, je suis content. Le jeu est cool, le feeling est bon. C'est du circuit, donc moi je profite. Et du coup, faudra regarder. Faut avoir pour recruter des mecs et compagnie. Bonjour à tous, on vous a bien entendu faire du bruit ici. Est-ce que vous pouvez en faire un peu plus pour Kristen? Super. Et attends, Kristen, c'est la meuf. Kristen, que peux-tu nous dire sur cet endroit? Merci Alex, tout le plaisir est pour moi. Eh bien, ah ouais, c'est trop bien. Classique, à configuration multiple, tout offrant une conduite bien réglée. Merci Kristen, j'ai hâte que ça commence. Et tout ça, c'est seulement... Ah, ok, désolé, on dirait que ça va commencer. Ok, désolé, je ferme ma gueule. Hein. Ah mais c'est bon, j'ai l'indicateur devant moi, en fait. Yes. Bon, ça me fait baisser les yeux, je sais pas si c'est mieux. Ouais, c'était quand même un peu culotté de faire ça. Et paf! Premier choc. Faut essayer de faire une course pour une course sans faire de choc. Je suis sûr qu'il y a un trophée. Bon, vous savez, je suis un vrai gamer, donc j'aime les trophées. Ok, donc ça veut dire que j'ai 2 secondes dans la gueule. Ça veut dire qu'il faut que je gagne avec 3 secondes d'avance. Ok, donc faut que j'ai 3 secondes d'avance. Sinon ma vie est nulle. De la pêche. Pourquoi freiner quand on peut juste péter son moteur? C'est pas du tout petit ce que je fais là. Allez, 3 secondes d'avance, on y croit. Indicateur de par rapport au temps. Ok, je lui demande de pousser. On va demander à Nick Wheeler, qui est troisième, d'attaquer. Ok, notre deuxième voiture commence à attaquer. Yes. C'est notre bro. Nick Wheeler, c'est notre bro. Dernier tour, conserve ta place jusqu'à la fin. Tout est sous contrôle, vous inquiétez pas. Je gère la situation. Yes, et du coup Nick Wheeler est deuxième. Mais du coup, est-ce que si c'est lui qui fait premier, on a l'or quand même? Je pense que les 3 secondes d'avance, je les ai pas. Ah, il nous faudrait un indicateur de temps par checkpoint, comme dans les jeux de rallye. Enfin, ou comme dans tout jeu de course qui se respecte, quoi, finalement. Allez, je fais de la merde avec mes rapports, forcément. Et Nick Whittle qui, du coup, va être premier. Bon, il le mérite. Hein. J'ai demandé à notre deuxième voiture de maintenir sa position. Yes. Et du coup, il défend. J'aurais
jamais 3 secondes d'avance. Oh si, c'est bon. Oh là là, excellent. Excellent, par contre ça s'est joué à vraiment que dalle hein. Trop fort. Niveau débloqué. Bon, le pouvoir du sable, le pouvoir des sables du temps, on s'en servira vraiment une fois de temps en temps quand ça puera vraiment du cul. Sinon, on va éviter. On va vraiment partir du principe que c'est de la course et juste de la course. On verra, on s'adaptera. Peut-être qu'il y a des jours où je pèterai les plombs, où j'aurai pas la tête et du coup, voilà, je vais craquer. Et c'est la dernière manche où tout va se jouer, Christelle. À quoi pouvons-nous nous attendre? J'ai la culotte mouillée, j'adore les moteurs. Moi, j'ai un petit chouchou. Je te dirai qui c'est tout à l'heure, Alex. J'ai pas envie de lui porter la poisse en l'annonçant à tout le monde. Plus longtemps maintenant, avant cette ultime course, restez avec nous. Ouais, c'est bon. Ah, Davy et Azevedo qui... Voilà. Qui nous aime pas. Là, faut que je regarde devant moi. Ici on peut juste lâcher la pédale, ça passe très bien aussi comme ça. C'est le poids de la voiture qui fait le reste. Ah bah alors là comment vous voulez que je fasse pour passer sans forcer? Mais putain mais... Et Nick Wheeler qui me fonce dedans, je croyais qu'on était amis. Ok, je lui ai demandé de pousser. Bah alors qu'il me pousse pas moi hein. Et là il pousse moi. C'est bon, attaque confirmée. Ah oui, non mais c'est vrai, c'est le parcours de la mort. Oh, je l'avais zappé ce circuit. Il faut accélérer le rythme. Mais oui, mais non. Ah, j'ai pilé un poil plus. Voilà, les sables du temps. Parce qu'en fait... On vous l'a pas dit, mais c'est Prince of Persia qui pilote. C'est un crossover avec Ubisoft. Bon, c'est pas clair parce qu'il n'y a pas un lapin crétin accroché sur le tableau de bord, mais je vous jure, c'est vrai. Ça va vraiment être compliqué d'être premier. Dernier tour, il faut remonter. Oh là là, ouais non mais au secours. Mais putain mais ils me mettent cette course en premier. Alors soit j'optimise vraiment mal et je m'en rends pas compte, soit il y a un problème dans la matrice là. Peut-être que j'attaque trop au début, je perds du temps. Mais je serai jamais premier là. Non. Casse-toi, casse-toi. Ah putain, je suis pas passé. Mais non, mais merde. Quatrième. Mais elle est infecte cette course de ouf. Et donc, je suis combien sur le podium? Mais elle est infecte. C'est la première coupe du jeu. C'est la première case de la première ligne du mode carrière. Et la deuxième course, je la trouve infecte. Enfin, allez, c'est pas que c'est dur, c'est que c'est court, quoi. C'est bon, je suis premier. J'ai gagné.
J'ai eu peur. Je croyais que c'était Nick Whittle qui était en premier et moi troisième du coup. Le scénario qui se répète. Nick Whittle qui tire. Oh là là, on a le gold. Ouais, non, mais bon, on a le gold, mais c'était pas forcément mérité comme il faut quoi. Bon, bref, c'est cool. Alors, par contre, je vais juste remodifier le profil, remodifier le nom. Et du coup, on va mettre Mister Bullet. Pour que ça soit clair pour tout le monde que c'est moi qui joue. Voilà. Trop fort. Et donc là, ah oui, mais en plus j'ai regagné de l'argent avec cette course. Bon, moins que d'habitude, j'ai l'impression, vu qu'effectivement on l'avait déjà validé, donc je pense que le fait d'être médaillé sur la coupe, on n'a pas eu un bonus de ouf en gain de sous. Ah mais c'est fou. On pourrait acheter quelqu'un d'autre. Bon, on le fera pas de suite. On va pour l'instant essayer de découvrir bien comme il faut. Donc acheter des nouvelles bagnoles, tout ça, ça va demander des sous. Et ensuite, quand on sera un peu large niveau thunes, on verra ce qu'on fait avec ça. Bref, on s'arrête là-dessus. J'espère que vous avez kiffé cette première session sur Grid. Moi, j'ai vraiment kiffé. Je trouve que le feeling est très bon. Les petites features sont sympas. C'est pas trop punitif. Le fait de pouvoir justement reculer le temps, tout ça, c'est cheaté, mais au moins sur un beau tracé que vous faites, si vraiment vous voulez rattraper le coup et pas vous retaper une course de 15 minutes ou 20 minutes ou même 1 heure, 2 heures, je sais pas s'il y en a des comme ça, comme il y en a dans les jeux vraiment typés simu, peut-être qu'on peut en paramétrer et tout ça, bah, c'est cool, ça permet, c'est une petite feature sympa. Alors évidemment, feature qu'il n'y aura pas en multi, hein, c'est logique, mais sinon, voilà, pour le mode solo, c'est cool. Le fait de pouvoir donner des ordres aux collègues aussi pour, en gros, nous soutenir, nous défendre ou attaquer, ça permet de faire varier. Pour l'instant, il n'y a pas trop eu de collision et tout ça avec Antria, alors que j'avais vu une petite vidéo test où, justement, on voyait qu'il y avait un gros bordel et tout. Donc, j'espère que ça va vite arriver, qu'on va être surpris pendant les courses. Ça serait vraiment cool. Ça serait vraiment cool à vivre. Enfin bref, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine session sur ce petit grid qui, ma foi, est fort sympathique et qu'à mon avis, on va poncer entre autres choses. Voilà, des bisous et au revoir.